Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ici à mon crâne Marie. Depuis Montréal, je suis spécialiste LinkedIn d'image de marque et de création de contenu et je suis heureux de vous retrouver chaque jour de semaine à 12h15 avec des rencontres très humaines, même à distance, des idées bien simples mais très utiles, je l'espère. Et en ce temps de distanciation physique, je n'arrête pas de dire qu'il faut beaucoup de rapprochement social, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très proche de ce que cette intro, on va parler de télétravail. Pourquoi et comment prendre pleinement avantage du télétravail? Pour parler de ça, j'ai le plaisir d'accueillir une professionnelle et entrepreneur expérimentée, Ginette Gagnon. Je vais la présenter tout à l'heure, mais juste dans l'agenda, on va parler donc de télétravail, des enjeux, des difficultés, mais aussi sur, d'une manière générale, de la communication virtuelle. Donc, les pratiques concrètes pour améliorer votre façon travailler à distance. Alors, sans plus tarder, je vais accueillir mon invité du jour, Ginette Gagnon. Salut Ginette. Ah, ton micro, attends une seconde. Ginette. Ah, bonjour. Tout va bien? Oui, vraiment. Excellent. Très bien. Écoute, toi? Télétravail, on travaille ensemble là, presque je peux dire là, on travaille ensemble à distance. Oui. Donc, c'est un sujet assez donc proche d'une réalité, je dirais, assez proche du sujet du jour. Donc, pourquoi et comment prendre pleinement avantage du télétravail? Mais avant de continuer, j'aimerais prendre quelques instants pour te présenter à mes auditeurs et auditrices et que je salue au passage. Merci d'être aussi nombreux comme à chaque jour. Dites-nous d'où est-ce que vous regardez et puis si le sujet vous intéresse, est-ce que vous êtes actuellement en télétravail? D'ailleurs, je pose une question, dites-nous comment vous faites pour être productif et serein, parce que pour moi, c'est deux aspects importants. Donc, je reviens à la présentation de Ginette. Donc, tu es actuaire de formation, tu as travaillé dans le domaine près d'une dizaine d'années avant de poursuivre ta carrière au sein des organisations TI. Donc, oui. Ginette, tu as occupé des postes de gestionnaire, notamment de vice-présidente chez CGI, de directrice générale chez AIMIA et tu as siégé au sein du comité exécutif d'Aéroplan. Ginette Gagnon, donc tu es certifiée ACC de International Coach Federation ainsi qu'accréditée du Team Coaching International. Tu détiens une maîtrise en sciences du management à HEC Montréal et un baccalauréat en mathématiques actuarielles à l'Université de Concordia. Je ne suis pas certain si j'ai bien prononcé ça. Actuarielle, actuarielle, c'est ça. Bon, normalement, j'ai pris mon café, mais ça m'arrive des fois. Ton premier livre a été édité en 2017, en s'appuyant justement sur ton mémoire de maîtrise. Et tu termines donc bientôt la deuxième édition disponible dès le mois prochain, septembre 2020. Tu fais aussi et tu écris beaucoup d'articles, notamment dans des blogs et comme la revue de gestion d'une manière régulière, mais aussi sur ton blog sur le site ginettegagnon.ca ou .com. Les deux. Enfin, les deux. Ça, c'est futé. Les deux. Quelques faits saillants, j'adore ça moi, les faits saillants, ça donne ce qu'on ne peut pas trouver sur LinkedIn nécessairement. Alors, les faits saillants pour Ginette Gagnon, voilà, trois carrières, actuaire pendant 10 ans, cadre supérieur en TI pendant 15 ans et coach exécutif pendant 5 ans. Mais là où c'est encore plus intéressant sur les faits saillants personnels, tu as 6 enfants, 3 chats et un chien. J'aime bien comment tu as ramené. Waouh, comment tu fais pour avoir toute cette carrière en ayant justement 6 enfants, 3 chats et un chien? Je te poserai la question. Une journée à la fois. Une journée à la fois. Et d'ailleurs, en te posant la question, c'est quoi ta passion? C'est quoi ta passion? Allez, je t'entends. Ma passion, c'est vraiment ce que je fais maintenant. Depuis que je suis en coaching puis que j'écris et tout ça, bien que je fais beaucoup d'heures par semaine, j'ai plus jamais l'impression de travailler. Fait que je suis passionnée d'écriture, de lecture, management, leadership. J'adore parler de ça. Excellent. Ginette, tu m'inspires déjà et j'aimerais apprendre davantage parce que le télétravail, c'est pas pour tous et toutes. Il faut commencer déjà par dire cela. Hein. Il y a plein d'activités professionnelles, entrepreneuriales qui nécessitent d'aller sortir. On va pas travailler. On n'est pas tous derrière un ordinateur. Mais pour ceux qui, comme moi, entrepreneurs ou professionnels, peuvent travailler de leur salon,
c'est très important d'assister et de poser vos questions à Ginette Gagnon aujourd'hui, qui peut, elle me l'a promis, parler de télétravail pendant combien de temps? 4-5 jours? Si tu veux. Mais on va prendre 30-40 minutes, c'est amplement suffisant dans un premier temps. Alors, d'abord, est-ce que tu peux me donner ton avis sur ce boom de télétravail qui, toi qui es coach exécutif, donc tu côtoies les gestionnaires et tu sais que beaucoup étaient réfractaires à la question du télétravail. Et s'ils sont pas devant moi, mes employés, je peux pas m'assurer de la productivité, etc. Puis tout le monde là, ok, travaillez de chez vous. Donc, c'est quoi la situation du télétravail aujourd'hui, Ginette Gagnon? Bien, certainement, tu sais, ça commençait depuis quelques années. Il y a certaines organisations, il n'y en a pas beaucoup même, qui misent beaucoup plus sur le télétravail que sur le travail dans les locaux de l'organisation. Mais c'est vraiment la pandémie là, qui a accéléré les choses en termes d'adoption du télétravail. Ça a eu pour effet quand même de convertir les irréductibles, comme tu disais, les gestionnaires, même les employés qui pensaient que ce serait pas possible de bien fonctionner en télétravail. C'est clair que le télétravail, ça a ses avantages, ça a des désavantages. Comme d'aller dans les locaux de son employeur, ça a aussi ses bons et ses mauvais côtés. Et à travers, tu sais, quand on a vécu le confinement, ce qui a vraiment accéléré la transformation du mode de travail pour beaucoup d'entre nous, il y avait quand même un effet de « OK, c'est un changement radical, il faut faire ça à toute vitesse, on est inquiet par la COVID, on va s'adapter, on n'a pas le choix. » Puis ce que je voyais beaucoup, parce que depuis le début de la pandémie, j'ai rencontré des centaines de personnes en faisant des ateliers sur le télétravail. Et beaucoup au début, on sentait que c'était à propos de « Écoute, j'ai un emploi, là, j'ai pas perdu mon emploi, fait que je vais travailler très fort. » Ou bien donc, « Je veux vraiment mon organisation ait du succès, fait que je vais travailler très fort. » Fait qu'il y a eu beaucoup de « Je me lance là-dedans, les heures de travail s'étirent. Le temps que je prenais de voyagement, je l'utilise pour travailler plus. » Et peu à peu, ça s'est installé comme ça. Mais des mois plus tard maintenant, les gens sont en train de repenser comment faire le télétravail, comment le réussir, comment le rendre plus équilibré, comment améliorer certaines façons de faire. Fait qu'on est là-dedans, d'autant que il y a une deuxième vague possible de COVID qui pourrait retarder le fait de ramener les gens en lieu de travail. Et il y a beaucoup de gens qui constatent, beaucoup d'entrepreneurs, de dirigeants d'entreprise qui constatent que il y a de grands avantages économiques au télétravail, des avantages environnementaux, bien sûr, parce qu'on est moins sur les routes, un avantage sanitaire à ce stade-ci. Et il y a beaucoup d'employés qui le demandent de rester en télétravail ou sinon d'avoir une combinaison sur place et télétravail. Donc, il y a vraiment un mouvement de fond, tu sais, au-delà de ce que la pandémie nous a obligés de faire, nous obligera à faire peut-être dans les prochains mois. Il y a un mouvement de fond, mais en ce moment, on dirait que cet été, là, on est en réflexion pour essayer de voir okay, comment on peut moduler tout ça pour que ça ne devienne pas juste, bon, on s'est adapté au début mars, là, mais là, on est plus tard, ça dure plus longtemps, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai l'impression qu'on rentre vers le futur du travail. Donc, ça fait quelques années que je connais ce terme, le futur du travail. Puis là, j'ai l'impression qu'on est rentré graduellement grâce notamment au confinement et à la pandémie. Ça me fait bizarre de dire grâce à la pandémie, mais bon, causé par la pandémie, ça peut avoir des avantages. Bref, maintenant, parle-moi un peu de cette courbe d'apprentissage, parce qu'on a eu un moment où il fallait s'arranger avec les moyens de bord, avec les réalités, avec ceux qui ont des enfants, ceux qui étaient avec des appartements exigus, sans connexion Internet. Bref, on va parler de tous ces aspects d'amélioration. Donc, on était dans une phase d'apprentissage. Et puis là, on rentre aussi dans une phase de lassitude, de zoom fatigue. Donc, j'aimerais qu'on dissèque en quelque sorte ces étapes-là pour voir qu'est-ce qui nous attend et comment améliorer. Parce que les personnes qui nous écoutent, ils aimeraient avoir aussi des aspects actionnables qu'ils peuvent faire dans leur quotidien pour améliorer leur, comme je disais, productivité et sérénité à travailler de la maison ou de là où ils sont. Oui. Je mettrais quand même juste une petite mise en contexte, si tu veux bien. Mm-hmm. C'est sûr que le télétravail, c'est une chose, le confinement, c'en est une autre. D'accord. Le télétravail, dans un contexte de confinement, c'est sûr que ça a exacerbé des problèmes liés au télétravail. Et que si tu te sens seul pendant la journée,
Mais qu'en plus, le soir, tu peux pas aller voir tes amis, les membres de ta famille, aller dans un petit resto, prendre un café. Évidemment, ça rend le télétravail et la solitude plus grande. Donc, il faut quand même distinguer les deux circonstances. Mais ceci étant dit, dans le fond, la question que tu me posais, c'est quelles sont les différentes façons... Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, la première étape dans le télétravail, puis ça a été beaucoup ça en mars-avril, c'était de s'assurer qu'au niveau de la technologie, on était organisé. Puis qu'il y a des organisations qui étaient déjà... qui avaient déjà l'infrastructure technologique, avaient déjà des fois des gens qui étaient en télétravail, surtout les firmes en informatique, par exemple. Pour eux, ça n'a pas été compliqué que leurs employés restent à la maison travailler. La technologie existait. J'ai rencontré d'autres entreprises qui étaient au point qui envoyaient... qui ont acheté des webcams pour les gens, ont acheté des laptops pour les gens, envoyé leurs chaises de bureau à leur maison pour qu'ils soient plus confortables. Fait qu'il y a eu cette espèce de débroussaillement, de dire, OK, point de vue technologique, où en sommes-nous et est-ce qu'on est capable de supporter le télétravail? On est après ça, cette étape-là a été faite, bien que je pense qu'il faut garder toujours un œil vigilant sur les avancées en technologie, parce que certains... résistance aux difficultés au télétravail, ben on est en train de les résoudre, des nouvelles applications arrivent. Donc, je pense qu'à l'essentiel, il faut une bonne ligne Internet, certainement, une vitesse, quelque chose qui permet d'avancer. Un environnement physique autant que possible qui est agréable et qui te permet, si nécessaire, de t'isoler si tu n'es pas seul à la maison. Et t'isoler des distractions aussi parce que c'est un problème particulier au télétravail. Fait que quand on a au moins ces éléments-là fondamentaux de base, ben on est prêt à faire du télétravail. Après ça, c'est beaucoup plus le facteur humain, les conversations qu'on a en télétravail, donc comment communiquer, comment planifier sa journée, comment on profite du télétravail pour faire usage de temps qu'on n'avait pas auparavant. Tu sais, en quelque part, il y a quelque chose de merveilleux de dire qu'il y a du temps qui vient de s'ajouter dans notre journée. Ouais. Sur lequel on a un contrôle, alors que, en tout cas, pour nous qui avons des longues heures de voyagement, c'est une opportunité, certainement. C'est vrai. Et ça gagne, on met des quelques sous aussi de côté, que ce soit pour payer son transport jusqu'au bureau, en plus du fait qu'on gagne une heure, pour la plupart, du voyagement, du déplacement de la maison vers le boulot. J'aimerais d'abord commencer avec toi, avant d'aller vers les solutions, les améliorations proposées, on va commencer par ce qui se fait actuellement et c'est quoi, selon toi, les erreurs que les gens font lorsqu'ils font du télétravail? Et c'est quoi les erreurs les plus courantes, par exemple, en faisant du télétravail? Bien, il y a d'abord l'environnement physique. D'être mal installé, si on est toujours sur le coin de la table de la cuisine, on doit ranger les choses pour manger... On est dans un environnement qui n'incite peut-être pas à la concentration. Si en plus on a les enfants à la maison, c'est sûr que c'est pas facile. Ça fait partie des contraintes du confinement, entre autres. Donc, autant que possible, autant que faire se peut, si on est capable de se dédier un espace de travail le plus isolé possible, c'est un premier facteur. Deuxième, c'est au niveau technologique d'avoir aussi, comme je disais, une ligne Internet haute vitesse, à voir s'il faut une meilleure webcam. Avoir de la lumière. Une des erreurs qu'on fait, c'est difficile de communiquer de façon virtuelle. On pourra l'aborder dans un instant. Mais un des grands avantages, c'est d'utiliser la caméra, d'être en visioconférence. Mais encore faut-il que vous soyez bien éclairé. Encore faut-il, j'ai vu des gens là qui regardaient comme ça. Fait que leur webcam était dans ce sens-là, mais ils regardaient l'écran. Fait que pendant qu'ils me parlaient, ils étaient de côté. Ça fait bizarre. Ça aide pas beaucoup les communications. Ça prend une bonne chaise de travail aussi, être à la bonne hauteur. Tout ce qu'on peut faire, sachant maintenant que pour certains d'entre nous, ça va durer le télétravail, ça vaut la peine de s'équiper, de s'installer pour être confortable dans une ambiance qui nous permet de travailler et avec des outils techniques là, qui sont à la hauteur. Très bien. Si je catégorise ces deux premières erreurs, la première concerne les aspects environnementaux. Donc, par exemple, la cuisine, mentalement, on est programmé pour manger dans la salle à manger, par exemple. Dans la chambre à coucher, on est mentalement programmé pour dormir. Donc, lorsque tu travailles dans ta chambre à coucher, l'appel du lit, c'est très difficile. Donc,
idéalement être dans un environnement, peut-être par exemple dans le salon ou dans carrément si les personnes qui peuvent se l'offrir une pièce dédiée pour le travail, il faut peut-être l'aménager. Donc ça, c'est l'environnement. Puis le deuxième concerne les outils eux-mêmes, donc une connexion Internet, un ordinateur, une webcam, donc tous ces aspects qu'on peut soit négocier avec son employeur ou si on est entrepreneur, faire cet investissement parce que on gagne aussi de l'argent en quelque sorte. On économise, je veux dire, on sauve de l'argent sur le voyagement, sur certains aspects, la location d'un espace coworking, par exemple. Je ne le fais pas, donc maintenant, je vais investir dans un meilleur matériel. Tu as parlé de position. Si tu remarques, je ne sais pas ce que vous remarquez, mais je suis debout. Donc, souvent, je trouve que pour mieux travailler, ne pas m'installer sur le sofa et me mettre debout m'aide à être dans une situation plus sanitaire, je dirais, mais j'ai l'impression que ça augmente même ma productivité. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il y a plein de gens hein, qui croient au fait de rester debout pour travailler. Moi, un peu moins. Moi, j'ai profité, mes enfants sont plus âgés. Donc, j'ai converti une ancienne chambre d'enfant qui était une chambre d'amis. C'est mon bureau maintenant. Au début, je trouvais ça curieux d'avoir un bureau à l'étage. Mais finalement, tu sais, je peux fermer la porte, je l'ai décoré comme un bureau à mon goût avec des plantes et tout ça. Fait que c'est faire preuve un peu de créativité pour s'installer parce qu'on y est pour un bout de temps. Hein, Alors, j'ai invité et je vous invite tous à poser vos questions à Ginette qui a beaucoup d'expérience et qui donc écrit sur le sujet, il donne des conférences. Donc, il y a les questions qui commencent à arriver et puis les remarques. Alors, Sofiane, il dit « Vaut mieux que ce soit un choix et non une obligation. » Sofiane nous emmène vers un sujet aussi qui est assez brûlant, c'est qu'il y a des organisations qui obligent leurs employés à aller en télétravail. Peut-être qu'ils n'ont pas le confort nécessaire pour le faire ou la volonté tout simplement. Et il y a ceux aussi qui refusent à leurs employés de faire du télétravail. Donc, un mot sur ça par rapport à cette à l'importance que ça soit aussi voulu par l'employé? C'est sûr qu'on se trouve dans une situation où le télétravail nous a comme sauté dessus à cause de la pandémie. Si on se positionnait aujourd'hui puis que l'organisation décide de continuer en télétravail, j'imagine que les prochaines personnes qui vont recruter vont s'assurer que c'est des gens qui veulent le télétravail. Dans une situation qu'on a un bassin d'employés qui n'ont pas été embauchés dans ce contexte-là. Certains, si ça leur convient, certains non. Je peux comprendre que, oui, idéalement, on voudrait que les employés soient d'accord, mais parfois, ça peut être juste une question d'installation, puis on peut ne pas avoir le choix d'envoyer les gens en télétravail. Peut-être, par exemple, tu sais, les grandes tours à bureau, là, avec les ascenseurs, on aurait beau arranger les planchers pour que il y a une distanciation sociale, il y a toujours le souci des ascenseurs. Si tu es au 26e étage, puis tu attends toujours après les ascenseurs, puis tu ne peux pas être plus que deux, mais tu n'as peut-être pas le choix d'imposer à ces gens-là de rester en télétravail dans un contexte de pandémie. Mais peut-être que les organisations doivent aussi aider, c'est-à-dire qu'au lieu de dire « Allez-y, partez chez vous et faites du télétravail », peut-être qu'ils doivent donner un peu plus de moyens que juste donner le laptop, peut-être un peu plus de moyens parce qu'ils sauvent quand même un peu aussi d'argent. Certainement. Et j'ai vu des organisations investir là, dans la technologie pour s'assurer que tout le monde soit bien installé, même comme je disais, envoyer les chaises de bureau, les faire livrer chez les employés pour qu'ils soient confortables. Certainement. Je pense qu'il y a une part où c'est fun si les employés sont d'accord, mais il y a peut-être une part où il y a des organisations qui n'auront pas le choix, comme ils n'auront pas le choix de ramener des gens parce que j'ai lu un article très intéressant du Harvard Business Review qui disait, dans le fond, à quoi ça sert d'avoir un bureau central, des locaux pour une entreprise? Il y a quatre raisons. Le focus, pour que les employés soient focalisés. Le deuxième, c'est pour la collaboration. Le troisième, c'est pour apprendre, parce que des fois, il faut montrer comment faire les choses. Et l'autre, c'est pour l'innovation. Ce qu'on a démontré depuis quelques mois, télétravail, on est capable d'être productif parce qu'en fait, la plupart des entreprises révèlent que les employés sont plus productifs, ont plus d'heures qu'avant. Ce qui n'est pas nécessairement bon pour l'équilibre de vie, mais la productivité ne devient plus un problème. La collaboration est pas mal résolue avec les plateformes de collaboration. On n'a pas encore trouvé la bonne façon d'être créatif ensemble, de brainstormer. Puis si on est encore en train de travailler à ça, fait que peut-être se retrouver dans des locaux physiques pour l'innovation, c'est important. Peut-être pour les apprentissages également qui seraient plus difficilement à distance.
Donc, on n'a pas tout résolu là, dans cet équilibre-là. Et j'ose espérer qu'il va y avoir des formules hybrides entre télétravail, être au bureau, mais pour les bonnes raisons, tu sais, pour être capable de, d'accord. d'être efficace au travail. D'accord. Alors, on a un commentaire de Twitter, Elon in Kyoto, donc il dit « Peu de gens parlent de la solitude du télétravail. » On a un peu parlé de ça, c'est que j'ai beaucoup aimé lorsque tu as dit qu'il faut déjà faire le distinguo entre confinement, donc lorsqu'on travaillait, on était en plus confiné, et le télétravail en soi, parce qu'on peut travailler d'ailleurs d'un jardin, d'un café maintenant pour certains pays. Donc, on peut faire du télétravail sans se regrouper au centre-ville ou dans des tours à bureaux, on est nombreux. Mais peut-être que selon ce commentaire, on reste quand même seul. Il y a peut-être moins de collaboration. D'ailleurs, il y a une autre personne sur LinkedIn, Mécanico, je ne sais pas si c'est son prénom, mais il dit « Je suis enseignant, un cours doit obligatoirement, il dit, être fait en présentiel, il n'y a plus d'interactivité. » Je ne suis pas certain d'être d'accord avec ça parce qu'il y a plein d'universités, il y a plusieurs universités d'ailleurs qui offrent juste du virtuel ou des formations à distance maintenant. Et c'est une question vraiment, je suis d'accord qu'il y a quelque chose de particulier d'avoir la présence physique dès qu'il est ensemble, mais la visioconférence, quand on l'utilise bien puis qu'on s'y habitue, on se rend compte qu'on est très près du présentiel. J'ai animé bien des ateliers où on me disait, mon Dieu, à la fin de l'atelier, je pensais jamais qu'on ferait un aussi bon travail ensemble parce que, justement, on est en visioconférence et ça s'est passé très bien. Mais il y a quelques normes de travail avec la visioconférence qu'il faut respecter pour s'assurer qu'on est justement efficace. Et l'une d'entre elles, évidemment, c'est tout le monde avec la caméra. Il n'y a rien de pire que de parler avec la moitié du groupe, les écrans fermés ou les caméras fermées. Tu sais pas s'ils écoutent, s'ils font autre chose. Et vraiment, là, ça m'est arrivé dans des ateliers, puis je disais aux gens, allumez vos caméras. Ouais, t'as raison. ça m'est arrivé aussi au cours de mes formations LinkedIn ou autres conférences. Ouais. Et j'ai juste deux, trois personnes, et je me dis, est-ce qu'ils sont vraiment là? Exact, ça c'est embêtant. La deuxième chose, c'est d'essayer autant que possible de réduire la durée des rencontres ou sinon avoir des pauses. Ça prend un très bon animateur pour être capable de soutenir l'attention pendant 2-3 heures en virtuel. Une des règles de conduite que j'ai vues, en fait, pour prendre un recul, il y a des gens qui me disaient, moi, j'ai l'impression au travail de faire une longue réunion de 40 heures. Parce qu'ils sont back-à-back dans les réunions puis parce qu'ils sont toujours devant leur écran, ils n'ont jamais la petite pause dont tu as besoin pour changer de salle de réunion. Et donc, c'est très, très intensif en termes de réunion. Puis, ce que je vois de plus en plus s'instaurer, c'est que les réunions sont cédulées pour 1 heure, mais durent 50 minutes. Pour avoir 10 minutes pour te lever, aller prendre un verre d'eau, aller à la salle de bain, un peu comme si tu étais dans le lieu de travail. Dans le fond, quand on était en salle de réunion, on finissait peut-être à l'heure, mais la prochaine réunion commençait toujours un peu plus tard. On ne veut pas parce qu'on ne pouvait pas être instantanément dans l'autre salle de réunion. Comme on l'est actuel. Fait qu'il y a des pratiques maintenant de dire, ben, il faut se laisser un petit peu ce temps de pause-là. De même façon, si on donne un cours en virtuel, il faut donner aussi cet espace-là à un moment donné parce que ça demande beaucoup d'attention. Et c'est important d'avoir des petits à côté, comme dans les vraies réunions, donc lorsqu'on se rencontre, on n'a pas juste, par exemple, la personne qui présente ou le conférencier qui a le monopole, on a des petits à côté. Et je trouve que, par exemple, sur Zoom, sans vouloir faire de la publicité pour Zoom, que là, il y a d'ailleurs même des soucis de sécurité au début, si vous vous rappelez, mais ce que j'aime dans Zoom, contrairement à d'autres outils, c'est qu'il y a les breakout sessions où on peut éventuellement se regrouper juste. Par exemple, si on est 40 ou 30 dans une réunion, à être regroupé juste dans 2 ou 3 personnes et discuter. Des fois, on passe d'un sujet peut-être un peu à côté du sujet principal. Et il y a plus d'humanisme, j'ai l'impression, dans ces petites micro-réunions. Oui, puis il y a plein de façons d'instaurer ça. Fait que même avec Teams, qui n'a pas le concept de breakout session, tu peux toujours avoir plusieurs sessions de Teams qui roulent en parallèle. Ce qui fait qu'une fois que tu as fini la grande conférence, ou quand tu es en plénière, tu es tout le monde ensemble, quand tu es dans breakout session, les gens vont sur une autre session de Teams, fait qu'il y a moyen de l'arranger quand même. Mais tu sais, il y a des gens, par exemple, qui utilisent que je connais pas moi-même, un outil qui s'appelle Discord, et qui fait que toute la journée, tu es branché là-dessus, et tes collègues aussi.
Fait que tu peux être en train, par exemple, si t'es programmeur, en train de programmer, puis là, tu peux interpeller un autre grâce à ça qui est aussi en train de programmer, un peu comme si c'était tout dans la même salle de réunion ou dans le même espace de bureau. Il y a des gens qui ouvrent Zoom justement à l'heure du déjeuner pour que les gens qui veulent déjeuner ensemble puissent le faire. Il y a les lunchs de cette façon-là. Fait qu'il y a quand même moyen de mettre un petit peu d'informalisme comme on en a besoin. Et ce que j'invite beaucoup les gens à faire, c'est de faire des cafés virtuels. C'est de la même façon qu'avant, on allait s'asseoir dans le bureau d'un collègue ou on allait le rencontrer dans le couloir. Ben, à un moment donné, c'est d'avoir un peu de discipline ou de penser puis de chatter ou aviser un collègue, dire hey, dans 10 minutes, est-ce qu'on prend un café ensemble? Même si c'est pas pour te parler de travail nécessairement. Donc, créer ces moments-là informels qui nous manquent et qui font que ça devient un peu plus humain comme interaction. Et il faut que même les personnes ne subissent pas le télétravail qui propose des choses. Donc, si on a envie de luncher ensemble ou de prendre un café virtuel ensemble, on peut toujours le demander. Comme dit Toufik, il dit, pour arriver à s'adapter à ce mode de travail, il faut une volonté des deux parties, employeur et employé en quelque sorte, parce que on ne va pas juste attendre à ce que l'organisation fasse des changements ou investisse dans des moyens. Il faut aussi notre volonté de socialiser en quelque sorte, de créer des liens avec ceux qui travaillent avec nous. Donc maintenant, j'aimerais qu'on donne des recommandations aux personnes et tu m'as envoyé donc un fichier PDF, un visuel que tu as créé pour que les personnes puissent être au courant des meilleures pratiques hein, que tu recommandes. Je vais l'afficher avec ta permission pour que les personnes puissent le voir. Donc, je ne sais pas ce que vous voyez. Attends, je vérifie. Moi, je vois très bien. Très, très, très bien. Donc, on va en quelque sorte commenter les, je pense, 4 ou 5 recommandations que tu allais. Donc, ce document est disponible là, donc sur ton site ginetteganiant.com. Sinon, les gens aussi peuvent m'écrire soit un commentaire ou m'envoyer un courriel et je leur enverrai. Donc, le premier point que j'aimerais que tu me commentes, s'il te plaît, c'est cette importance d'aménager un environnement de travail qui motive la personne. Oui, parce que on n'est sans doute pas en télétravail de façon temporaire. On est au mois d'août et on en parle encore. Je pense que l'investissement, comme on le disait tout à l'heure, d'un endroit où on se sent à l'aise, sans confortable, où nous ressemble, nous permet de nous concentrer. Je pense que c'est un élément essentiel pour être heureux au travail. Et ceci donc nécessite, comme on voit ici, tu le cites, donc les gens peuvent le lire, un éclairage suffisant, une webcam de qualité, un fauteuil, une table de travail, un écran. Donc ça, c'est les aspects matériels, comme on avait dit. Puis le deuxième point, et je trouve qu'il est hyper important, du moins me concernant, c'est comment organiser une journée de travail de façon optimale, Ginette. Oui. Ben, en fait, c'est les principes de planification, que ce soit en télétravail ou non, demeurent. Mais il y a une responsabilisation peut-être un peu plus grande en télétravail. On n'a pas nécessairement notre superviseur ou nos collègues qui sont là toujours au-dessus de notre épaule pour voir ce qu'on fait. Et ils nous font confiance. D'ailleurs, le superviseur doit apprendre à faire confiance également qu'on va savoir s'organiser. Donc, ce que je propose, c'est des pistes de réflexion pour... Bon, d'une part, si on est en moment de confinement, on a les enfants à la maison, comment on peut s'organiser pour qu'on ne soit pas avoir les enfants, toujours accaparés par les enfants pendant qu'on travaille. Mais sinon, c'est de vraiment travailler dans une perspective, de comprendre vraiment ce qui est attendu de nous, s'assurer que les résultats que le superviseur attend soient très clairs, pour être capable d'estimer vraiment les efforts nécessaires, combien de temps on a besoin. Et si on se rend compte que la charge de travail est vraiment trop élevée, mais de renégocier avec son superviseur pour s'assurer qu'on rééquilibre tout. Parce qu'on a une autre réalité, le fait qu'on travaille de la maison, on a une autre éventuellement réalité, il faut adapter la charge de travail à cette nouvelle réalité. Et j'aime beaucoup la question de clarifier les attentes avec son superviseur et puis dédier du temps donc pour les réunions, mais ne pas faire que ça. Parce que des fois, on a l'habitude en assistant à une réunion qu'on travaille. Oui, ça fait partie, mais on est censé aussi produire des choses. Donc, c'est un peu comme répondre au courriel. Les gens qui passent leur journée à répondre au courriel, je ne suis pas certain que c'est très productif tout ça. Oui, non, tout à fait. Donc, les réflexes que vous aviez au travail, quand vous étiez dans les locaux de votre organisation, c'est les mêmes principes qui s'appliquent en télétravail, mais votre responsabilisation est encore plus grande.
Et ça prend beaucoup de complicité aussi avec votre superviseur qui doit vous donner la latitude nécessaire pour que... il va aussi vous faire confiance. Il va faire confiance si vous atteignez les résultats. Si vous livrez à temps, vous livrez à qualité, ou bien donc vous négociez au besoin avec votre superviseur, ben il va vous faire confiance, puis avec le temps, vous allez avoir plus d'autonomie sur la façon d'organiser votre travail. Très bien. Alors, le troisième point, point C, communiquer avec impact malgré la distance. Oui. Le plus grand enjeu, je pense, en communication virtuelle, c'est que les gens se disent « Oh, je me sens loin, je vois pas les gens, c'est pas comme quand je suis en présentiel. » Ben, c'est sûr que ça fait du sens, hein, parce que la communication passe par le langage verbal, par le paraverbal, la voix, l'intonation, puis aussi le langage non-verbal, qui sont les expressions faciales et tout ça. Fait que si on est seulement en email ou en texto, on a juste un niveau d'interprétation. Si on rajoute la voix, on en a plus. Puis si on est à la caméra, bien, on a la voix, on a les mots, mais on a aussi la posture, l'expression physique. La première chose, je pense qu'il faut insister pour se donner comme règle de conduite avec l'équipe d'avoir la webcam allumée le plus possible. Ça aide déjà. Mais la deuxième, c'est de rester attentif. Et c'est facile d'être distrait. Un enfant qui court, la télévision qui joue, le téléphone qui sonne. Ça prend de pratiquer sa capacité d'attention, mais aussi décider de ne pas se laisser distraire parce que notre cerveau là, doit s'habituer à cette nouvelle façon d'interagir avec les gens. Et si on n'est pas attentif à ce que les autres disent ou font, comme dans la vraie vie par ailleurs, mais encore plus en virtuel, on va manquer beaucoup d'opportunités de communiquer efficacement. C'est très juste et j'aime beaucoup surtout ce point. Donc, tout était important par rapport à la question de la webcam, de la communication, mais surtout d'éviter les distractions parce que des fois au boulot, on n'a pas justement les distractions extérieures, mais à la maison, il y a tellement de choses. Il y a le frigo qui est à côté, il y a le téléphone qui peut sonner à n'importe quel moment. Donc, peut-être qu'il faut vraiment se mettre en contexte très semblable à ce qu'on avait donc au bureau, cette fois à partir de la maison pour faire du télétravail. Puis le point D, je pense qu'il y en a encore un point D, et pas des moindres, vivez la vie dont vous rêvez. Qu'est-ce que tu veux dire par cela, Ginette? Je ne sais pas si je veux bien l'exprimer, là, mais en quelque part pour moi, quand la pandémie a eu lieu, évidemment c'est la catastrophe, c'est une crise, là, je ne veux absolument pas diminuer ça. Mais en même temps, je dois dire que j'ai comme vu une grande opportunité parce que tout à coup, j'ai récupéré du temps dans ma journée. Je travaillais, beaucoup de mes clients sont au centre-ville de Montréal, j'habite à Laval, donc c'est facilement 1h30 de transport, donc presque 3 heures par jour. Et j'ai rêvé longtemps dans ma carrière de pouvoir récupérer ce temps de voyagement-là, mais j'ai jamais habité près du centre-ville. Et là, tout à coup, d'avoir ce temps-là, je pense qu'on... Moi, je me sens l'obligation d'en profiter pour faire ce qui m'intéresse de faire ce qui me permet d'être heureuse, ce qui me permet de me développer. Je me suis acheté un petit chien, j'étais en train d'élever un chiot, parce que là, j'ai le temps, je suis à la maison. Je pense que si on n'en profite pas pour tirer les avantages possibles du télétravail, ben je pense qu'on passe à côté. C'est très important. Donc, finalement, profiter de ce temps qui s'est dégagé parce que du voyagement notamment, mais je pense pas que, parce qu'on peut éventuellement faire plus, atteindre ses objectifs et se recentrer sur les choses essentielles, notamment la famille ou les choses qui concernent l'employé et sa qualité de vie finalement. Très, très, très bon. Alors, il y a une question qui concerne, je sais qu'il y a une question épineuse là, puis la rémunération. Est-ce que le salaire doit être différent? Parce qu'il y a des gens qui nous contactent depuis d'autres pays, ce n'est pas juste la réalité québécoise ou canadienne, comme Toufik. Donc, il y a certaines organisations ailleurs dans le monde qui rémunèrent moins parce que c'est fait du télétravail. Est-ce que c'est quelque chose, selon toi, de logique, de pas logique, que tu peux comprendre ou pas? Non, en fait, je suis surprise. C'est sûr que ma réalité, elle est beaucoup plus canadienne et américaine, mais peut-être que c'est moins payé parce que les tâches qui ont été mises en télétravail sont généralement des tâches moins payées, mais si vous aviez un poste dans les locaux de votre entreprise et vous assurez les mêmes responsabilités de la maison, je ne vois pas pourquoi vous serez moins payé. Mm-hmm.
Donc, on ne peut pas se cacher derrière le fait que ah, ça te coûte moins de venir ou que la crise qu'actuellement avec la COVID. Donc, il y a des droits qui manquent quand même acquis qu'il ne faut pas laisser donc badiner par le fait qu'on travaille depuis la maison. Au contraire, moi, je trouve ça vraiment très injuste. Oui. Donc, ça, c'était pour la question de Toufik. On arrive bientôt à la fin donc de ce caféine, mais j'aimerais en quelque sorte revoir avec toi donc la question des risques de travailler donc de faire du télétravail. Est-ce que il y a des enjeux futurs sur lesquels on doit penser dès maintenant? Ça veut dire que parce que maintenant on a une réalité, mais avec le temps, s'il y a par exemple il y a d'autres confinements qui s'annoncent ou une charge de travail qui va augmenter, est-ce qu'il y a des aspects auxquels on doit penser dès maintenant pour les améliorer? Oui, certainement. Les entreprises, entre autres, se préoccupent beaucoup maintenant, vu qu'ils voient le télétravail comme allant durer plus longtemps et même vont vouloir l'adopter en partie. Comment conserver la culture de l'entreprise? Comment garder les employés loyaux et engagés et motivés dans leur travail? L'être humain est grégaire, aime ça se rassembler. Comment on peut créer des moments forts quand même et permettre le télétravail? Les entreprises sont excellentes là-dedans, là où il y a des rencontres une fois par mois, une fois par deux semaines. Créer un moment fort, tout le monde ensemble physiquement et le résultat, les gens sont en télétravail. Donc, comment garder cette appartenance à l'entreprise? Et de façon similaire pour l'individu qui est en télétravail, comment rester en contact avec l'humanité et comment rester en contact avec les autres? Comment trouver, être capable de développer des relations malgré la distance. Puis là-dessus, je dirais un petit aparté, il y a une couple d'années, j'avais des clients qui venaient de l'international. Fait que j'étais en coaching, il y a des gens de Paris, de Londres, de New York. Et le coaching, c'est une conversation qui a lieu entre le coach et son client. La relation concrète est importante. Il y a des moments où on se confie, veut pas. Et j'étais très embêtée à me demander, mon Dieu, juste par Zoom, en visioconférence, comment je vais faire pour créer cet espace de confiance, de sécurité, de proximité, comment je vais faire pour connecter avec eux. J'étais terrifiée même au début parce que jamais je les verrais en personne. Et finalement, je dois dire que ça a super bien été. On s'habitue. Et il y a des gens comme ça qui sont de partout au monde que je côtoie encore. Et de façon virtuelle, et je sens pas que la relation elle est moins bonne parce qu'on s'est jamais rencontré en personne. Je pense qu'on va développer des habiletés, puis il faut avoir cet intérêt-là aussi, ce souci de s'intéresser aux gens, même si on est en virtuel. C'est très important de s'adapter, c'est ce que j'entends. Donc, d'ailleurs, il y a même un ami, encore souvent, je le cite dans Caféine, qui me dit « c'est pas virtuel à mon crâne, c'est à distance ». Parce qu'on est de vraies personnes et il faut vraiment mettre de son cœur. Il faut être très vrai, il faut être authentique et les gens vont le sentir quand même, même si c'est sur Zoom ou sur LinkedIn ou Facebook ou sur Twitter. Les gens vont sentir l'humain qui est derrière. Donc, il faut être vrai à soi. Un dernier conseil pour les organisations maintenant, Ginette. Tu as dit tout à l'heure que les gestionnaires, que les personnes en ressources humaines doivent faire confiance davantage à leurs employés. Est-ce que as-tu une autre recommandation pour les organisations? Parce que ça, c'est là pour rester, j'ai l'impression, à télétravail. Oui. Ce qui me vient en tête, mais ça peut être plus à voir avec le confinement. À travers mes ateliers, j'avais des ateliers souvent qui étaient avec des gestionnaires. J'ai beaucoup senti la détresse de gestionnaires qui voulaient être les sauveurs du monde, les sauveurs de leurs employés, de ceux qui étaient malheureux en télétravail, de ceux qui souffraient de l'isolement et du confinement. Et ils se mettaient, je crois, comme gestionnaire, un poids immense sur les épaules. Et comme gestionnaire, oui, absolument, il faut être empathique. Oui, il faut se soucier de ses employés. Oui, il y a des outils qu'on peut offrir, que ce soit donner plus de flexibilité, un peu de temps pour souffler, des ressources professionnelles qui sont peut-être couvertes par l'assurance collective, par l'entreprise, toutes ces choses-là, c'est parfait. Il arrive un moment où certaines
certains enjeux sont de nature plus personnelle que professionnelle. Il faut que les gestionnaires se rappellent à la fin de la journée que leurs outils, à eux, c'est la gestion et le management. Et non pas la psychologie ou la psychothérapie. Fait que j'étais très touchée par ces gestionnaires qui portaient ce poids sur leurs épaules, en voulant bien faire parce que c'est des bonnes personnes, mais ça ne fait pas partie de leurs compétences et de référer plutôt que d'essayer de tout prendre en charge. Au jour d'aujourd'hui, sans confinement, tout ça, le télétravail a quand même, tu sais, d'aider les employés à faire la transition au télétravail si on l'impose. Trouver des moyens pour que les gens ils trouvent leur compte. Je pense d'ailleurs qu'en ce moment, ça fait presque 6 mois, là, c'est le temps ou jamais peut-être de s'asseoir avec son équipe et de dire, bon, ça fait 6 mois qu'on travaille en télétravail, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, qu'est-ce qu'on devrait changer? Est-ce qu'on a des règles de conduite qu'on devrait revoir? Est-ce qu'on devrait adopter certains outils, se donner quoi que ce soit? Ça fait 6 mois, là, puis ça va rester. Fait comment on s'organise going forward? Tu sais, je pense que c'est le temps de se poser ces questions-là aussi. Et c'est important aussi de créer des... tu as parlé de Discord, donc qui a commencé avec le gaming, donc l'industrie du jeu vidéo qui maintenant... Tu connais plus que moi. Oui, qui maintenant... On peut utiliser autre chose, WhatsApp ou n'importe quel autre outil. Il y a LinkedIn aussi qui a son propre outil qui sont en train de développer davantage pour créer des synergies, puis travailler sur la marque employeur notamment. Mais c'est un autre sujet. Le plus important, c'est vraiment de rester, comment on dit, tisser serré. Hein, c'est ce qu'on dit ici au Québec. Hein, je commence à me québéciser. Donc, tisser serré dans l'organisation, c'est très important. Et un autre conseil, je dirais aussi pour, surtout que ce soit entrepreneur ou employé, c'est aussi de ne pas dépasser aussi les heures. Ça veut dire que des fois, les gens travaillent parce qu'ils sont en télétravail, ils travaillent très tôt le matin, très tard le soir et ça empiétine sur la qualité de vie, sur la famille. Je me parle à moi-même en toute sincérité, mais j'aimerais mettre ça dans la vidéo, comme ça reste comme sûr. Témoin. Dans l'aspect de comment en profiter du télétravail, c'est toutes les heures que vous récupérez dans votre journée, vous les utilisez à travailler, peut-être ça vaut pour un certain temps, mais vous, quand vous êtes un être humain. Excellent. Écoute, merci beaucoup, Ginette Gagnon, pour toutes ces recommandations, puis pour cette belle discussion sur le télétravail. Je suis certain que la discussion continuera sur le télétravail, puisque c'est là pour rester. Vous pouvez contacter Ginette Gagnon, que ce soit sur son site, ginettegagnon.ca ou .com, c'est comme vous voulez. Sinon, sur LinkedIn, tu es très présente aussi sur LinkedIn. On va passer rapidement aux questions flash. J'aimerais te poser une question, une première question. C'est quoi ton mot préféré? Mon mot préféré, mon Dieu. Mm-hmm. Mon Dieu. C'est des questions non préparées, les questions flash. Donc, je n'avais pas répondu à celle-là. Fait que je dirais passion. D'accord. Et oui. si tu as une histoire d'échec à nous raconter comme ça rapidement, où tu as beaucoup appris, ça serait laquelle? Quand j'ai commencé ma carrière, j'avais un bac en mathématiques. J'avais de l'aisance à communiquer, à m'exprimer, mais c'était pas facile vraiment de communiquer avec les autres. C'est-à-dire, je pense pas que socialement, c'était facile pour moi de créer des relations de proximité, tout ça. Et quand je l'ai réalisé, j'ai commencé à observer beaucoup les gens autour de moi, les gens que je trouvais qui avaient de l'influence, qui étaient capables d'une influence positive sur les autres, qui étaient capables de les inspirer, qui étaient capables de faire les choses. Et je pense que la leçon que j'ai apprise de ça, c'est que on n'est pas obligé de rester avec certaines incompétences en communication. Il y a des choses qui s'apprennent, ça se pratique. Je crois beaucoup à ça. J'écris à propos de ça, mon livre, entre autres, à propos de l'influence et de voir comment on peut s'améliorer comme être humain. Je crois que c'est la plus grande leçon que j'ai apprise. On n'est pas condamné. D'ailleurs, à propos de livres, j'aimerais te dire, c'est quoi ton livre que tu recommandes? C'est quoi le livre que tu recommandes aux personnes qui nous écoutent? En ce moment, je pense qu'il y a un qui résonne encore, mais c'est un vieux livre. Ben, vieux livre des années 90. Ça s'appelle « The Power of Full Engagement ». Le pouvoir du plein engagement. Je ne sais pas si c'est disponible en français par ailleurs. C'est un livre où j'ai appris que, dans le fond, c'est pas tant la gestion du temps qui est importante comme la gestion de son niveau d'énergie.
que tu as planifié ta journée bien cordée pendant 10 heures de temps, puis tout est bien classe. Tu n'as pas l'énergie pour le faire, tu ne prendras pas au bout de ta planification. Mais la première chose à faire, le plus important, c'est gérer ton énergie. Et ça veut dire prendre soin de toi physiquement, prendre soin de tes relations avec les autres, parce que cette énergie émotive-là, elle est positive. Prendre soin de ton intellectuel, faire preuve d'intelligence, travailler, d'être stimulé, c'est aussi de l'énergie. Puis travailler soit en ligne avec sa spiritualité ou avec ses valeurs propres, avec ce qui est important pour soi. Tu sais, on cultive ces quatre niveaux-là, quatre perspectives au niveau de l'énergie. On est capable d'abattre une grande somme de travail puis de progresser. Ça me donne envie de lire ce livre. Waouh, c'est vraiment, ouais. C'est vraiment intéressant. Alors, j'aimerais te poser encore deux questions. La première serait, quel a été le conseil le plus utile qu'on t'a donné, peut-être il y a très, très, très longtemps? Est-ce que tu te rappelles d'un conseil qui a changé, qui a fait de toi la Ginette gagnante d'aujourd'hui? Je pense que le premier qui vient en tête, c'est que, c'est sûr, j'ai fait beaucoup ma carrière comme gestionnaire. Mm-hmm. Même quand j'étais expert comme actuaire, il y a une personne qui m'a dit une fois... Assure-toi de ne pas être indispensable. Parce que, surtout quand on est expert, on aime ça, détenir la connaissance, puis des fois, on est de misère à la partager parce qu'on a l'impression qu'on va perdre de la valeur. Lorsqu'on se rend toutefois indispensable, on n'est plus capable de se le faire. On n'aura pas de promotion, on va avoir de la misère à se déplacer dans l'organisation, à moins de faire des choix et quitter l'organisation. Quand on devient trop indispensable, les gens n'oseront pas nous déplacer ailleurs. Et si on s'assure de faire grandir la connaissance autour de nous et toujours créer la relève, ça devient facile après de nous aider à progresser et faire un changement. C'est tellement beau. Ne pas être indispensable, c'est tout le contraire de la majorité des gens, ce qu'ils pensent. Il faut que je me rende indispensable. Non, finalement, c'est l'inverse. Alors, j'ai dit une dernière question. J'hésite entre c'est quoi ton rêve? Alors, je te laisse le jeu. C'est quoi ton rêve? Sinon, si tu avais 30 ans de moins aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais fait en 2050? Tu choisis. Je choisis. La seule chose que je te dirais, c'est que je sais pas. Est-ce que je ferais pas il y a 30 ans ce que je fais aujourd'hui, même si c'est aujourd'hui que je suis vraiment sur mon X, tu sais? D'accord. Je pense qu'il fallait toute l'expérience que j'ai prise pour faire ce que je fais aujourd'hui. Fait que continuité dans mon rêve, j'adore écrire, j'ai commencé à construire un programme en ligne justement par rapport au télétravail, j'adore le coaching, et je souhaite vraiment continuer le plus longtemps possible dans ma carrière, dans ma vie, j'imagine pas qu'elle aurait fait un jour, juste continuer à partager ce bagage-là, j'adore apprendre, fait que j'aime aussi le partager, puis accélérer le développement des gens, il y a tellement de choses que j'aurais aimé savoir à 20 ans que j'ai appris à 50 ans. Excellent. Donc, en fait, tu rêves de continuer à être indispensable ou l'inverse. D'être un accélérateur pour les autres. Excellent. Merci beaucoup, Ginette. Je te souhaite de réussir tout ce que tu entreprends et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Restons en contact. Vous pouvez la contacter pour le PDF, sinon me contacter aussi. Et je vous donne rendez-vous demain. Et vous savez quoi? Demain, c'est l'avant-dernier Caféine Live de la saison. Donc, ne ratez pas ça, demain midi 15. À très bientôt, Ginette. Au revoir, merci. Merci tout le monde, au revoir. Au revoir.